Ben, nous sommes à cette date aujourd'hui de samedi 2 mars 2024. Nous sommes à l'orphelinat Dieu et Amour, c'est ça? Oui, Dieu et Amour. Voilà, la responsable qui est là. Oui. En tant que fondateur de l'ONG Espoir de Vie, en séjour à Conakry. Une deuxième visite encore pour pouvoir, n'est-ce pas, partager un repas avec les enfants. Et surtout, notre engagement vis-à-vis de sa vision, qui est d'aider les enfants. Et c'est très important qu'on apporte déjà un soutien moral, et aussi physique et matériel. C'est très important pour nous. Parce que nous savons que la vraie religion, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. C'est vrai qu'on fait des images, mais c'est pour amener aussi les gens à faire comme nous. Faire comme nous, c'est très important. Voilà, et aider les gens, c'est aussi faire une œuvre de Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Et l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Alors, quand tu aides les gens, toi, tu participes. Et la Bible nous dit, celui qui donne a un pot prêt à l'éternel. Voilà, donc nous sommes là, justement, notre deuxième visite. Pour la soutenir, elle en a tellement de besoins. On avait promis de revenir aujourd'hui. Et cette fois-ci, dîner avec les enfants. Voilà, donc on a apporté quelque chose. Voilà, aujourd'hui nous avons apporté, hier on avait apporté deux sacs de riz. Des bidons d'huile, on a apporté seulement un soutien. Aujourd'hui, nous donnons juste un paquet de deux pots de mayonnaise, une bouteille d'huile, un pot de chocolat et quatre boîtes de lait. Voilà, pour enfants. Pour enfants, nous allons apporter une contribution pour payer un mois de loyer. Il nous revient pratiquement 2 500 000 francs d'huile. Voilà, pour soutenir, voilà, dans un premier temps. Et voir ce que nous pourrons faire à la suite. Quoi. Pour le loyer, je vous donne un mois. Le mercredi, on va compléter les trois. Voilà. Un mois, trois mois de loyer. Ça fait 2 millions déjà. Voilà. 2 millions. Ça, c'est 2 millions. Ça, c'est 500 000. Merci. Merci. Voilà. Ça, c'est pour payer un mois de loyer. Le mercredi, on va revenir, on va essayer de vous donner les deux mois pour que vous soyez déjà pris dans la tête, afin de pouvoir vous occuper des enfants. Alors, nous te bénissons pour ce repas, et que rien ne manque dans cette maison, qu'il y ait de la nourriture. C'est le Dieu qui a fait le miracle du pain, qui a fait le miracle du poisson. Et la nourriture de manque dans cette maison. Suscite toujours un donateur. Amen. Pour venir apporter à manger. Amen. À cette maison. Amen. Donne aussi de la sagesse et de l'argent, les moyens financiers. Amen. Pour pouvoir supporter la vision de ta servante. Amen. Je te bénis surtout la santé dans nos enfants. Amen. La longévité et loin de cette maison tout malheur. Amen. Merci de bénir cette œuvre. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Voilà, bon appétit. C'est bien, hein? Merci. Vous savez cuisiner. Alors, Marie va rester au pari. Nous vous remercions beaucoup pour ce que vous venez de faire pour nous. Je réponds au nom des premiers qui vous avez dit. Je suis aussi
orpheline ici, je suis la grande soeur des enfants. Des enfants. Okay. Je fais la terminale de sciences sociales. Okay. Je fais le bac cette année. Je vous remercie pour ce que vous êtes en train de faire pour nous, les projets que vous avez pour nous. Je vous remercie. Rarement que nous voyons des cercles de vision, des pasteurs, des personnes comme ça, difficilement, c'est rarement. Et que l'on recevoir ici, la plupart c'est des musulmans. Okay. Nous, vraiment, on se demande pourquoi nous sommes des chrétiens, pourquoi nos amis chrétiens refusent de venir visiter notre pays. Et si nous voyons aujourd'hui un cercle religieux venir à nos côtés, c'est une joie d'être. Donc, pour cela, nous vous remercions de l'être. Et nous prions aussi de tout que Dieu puisse vous aider dans vos projets et votre famille. Et même la prospérité dans votre vie. Je suis très heureuse en tant que grande soeur des enfants. Je suis très heureuse parce que la maman souffre beaucoup. Elle souffre beaucoup, elle n'a pas d'aide, elle n'a pas de partenaire, le gouvernement ne nous aide pas. Donc c'est elle qui fait tout pour nous. Et si nous voyons des gens qui viennent en aide, vraiment c'est une joie pour nous. Pour cela, nous vous bénissons. Nous voulons que Dieu reste avec nous. Merci beaucoup. Le mercredi, je vais passer pour justement amener le reste. Merci.